Qu'allaient-ils faire, les Grecs, en Égypte, où il n'y a pas de traces très précises de savoir astronomique? Pour bien préciser le rapport entre les Grecs et les Égyptiens, qui est un peu aussi obscur que le rapport entre les Juifs et les Égyptiens, vous savez, aller en Égypte, la captivité en Égypte, se libérer de l'Égypte, vous voyez, comme si tous les peuples de l'Antiquité avaient été fascinés par l'Égypte comme leur origine. Et Platon relate dans le Timée un dialogue entre un savant grec et un jeune prêtre et un vieux prêtre égyptien. Et le vieux prêtre égyptien lui dit vous autres Grecs, vous serez toujours des enfants. Un Grec n'est jamais vieux. Vous n'avez pas de science blanchie par le temps. Tandis que nous, Égyptiens, nous sommes les plus antiques peuples de la Terre et nous avons accumulé dans nos banques de données ou dans nos bibliothèques un extraordinaire savoir. Mais vous, vous êtes tout le temps en train de le casser, en train de le révolutionner. Vous êtes comme ces pays qui sont atteints par des crues, des inondations ou des ravages de météores ou de feux du ciel. De sorte qu'une fois que la foudre ou que l'inondation est passée, le paysage n'est plus le même. Et c'est pour ça, vous les Grecs, que vous êtes des scientifiques et que nous les Égyptiens, nous ne serons jamais que des vieux historiens. Vous voyez, c'est-à-dire, j'ai toujours l'impression que la différence entre les scientifiques, les savants, et moi, c'est la différence entre les Grecs et les Égyptiens. Moi, je raconte des histoires, je suis vieux, terriblement vieux, tandis que les savants, quel que soit leur âge, ont toujours une science qui est née juste avant eux. Vous voyez, tout a été tout le temps révolutionné, de sorte qu'ils sortent d'une astrophysique qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, tandis que moi, je sors d'une astronomie qui a au minimum 6000 ans. Vous voyez la différence? Et ça, c'est vraiment une différence profonde qui existe entre un temps de l'histoire et le temps toujours coupé par la révolution scientifique. On parle toujours à propos des miracles grecs. Qu'est-ce que c'est que le miracle grec? Et pourquoi ce sont eux qui inventent le système du monde? Le miracle grec des mathématiques, c'est-à-dire le miracle grec de la théorie, c'est-à-dire les Grecs inventant une représentation abstraite du monde, inventent quelque chose qui dans l'histoire est un tel coup de tonnerre, une telle nouveauté, qu'on ne peut en aucune manière trouver l'équivalent antérieurement. Antérieurement aux Grecs, des tablettes d'observation, des tablettes de nombres, des résumés d'expérience, on n'a jamais le calcul théorique, on n'a jamais le dessin avec le point, la droite, le cercle, le triangle, etc., l'angle, qui permettent des mesures rigoureuses et précises, on n'a jamais ça. La question « pourquoi ?» est vraiment la question la plus chère du monde. C'est-à-dire, si nous savions pourquoi les Grecs ont inventé cela, nous, les philosophes, on aurait la solution à la question « comment l'homme a-t-il inventé l'abstraction ?» Vous voyez, on aurait la solution à un des problèmes les plus profonds et les plus tenaces de la philosophie. Hélas, nous n'avons pas de réponse. Il y en a, mais locale, précise, extraordinairement difficile à développer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avant les Grecs, il y avait une arithmétique, ça nous en sommes certains, et des procédés de calcul de type algorithme, c'est-à-dire des petits morceaux de calcul bien réussis qui partent de prémices bien claires et qui aboutissent à des résultats prévus et décidés. On appelle ça des algorithmes. Et la pensée qui précède les Grecs est certainement une pensée algorithmique. Très abstraite, puisque nous la retrouvons beaucoup plus tard et même de façon contemporaine dans les ordinateurs, par exemple. Et le saut
qui fait passer de l'Égypte en Grèce, c'est le saut algorithme-géométrie. Le saut arithmétique-géométrie, le saut compte-espace. L'idée qu'il y a un espace abstrait sur lequel on peut dessiner des variétés comme la ligne, le point, l'angle, etc., ça, ça leur appartient et ça leur appartient à tout jamais. Comment l'ont-ils inventé? Alors, j'ai dit que nous avions des hypothèses. En voici une. On raconte, par exemple, et nous avons de cela mille et un récits, que Thalès, fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très ancien, se promène au pied des pyramides, c'est-à-dire en Égypte, lieu où il n'y a pas de théorie, et voit, sous le soleil à midi, la longueur des ombres portées par les trois pyramides, les mesures, les rapporte les unes aux autres, et les rapporte à l'ombre de son propre corps. Et dans ces rapports de longueur d'ombre et de hauteur de la pyramide, il déduit, ou il induit, ou il invente le fameux théorème de la similitude des triangles, dont nous sommes à peu près sûrs que c'est le tout premier théorème géométrique. Alors, ça s'est passé en Égypte, et c'est un Grec qui l'invente. Et l'astronomie, tout d'un coup, se transforme en géométrie. Il n'est plus question de soleil, il n'est plus question de la hauteur de la pyramide, il n'est plus question de l'ombre, il n'est plus question que de la similitude de triangles abstraits. Alors, tout d'un coup, l'astronomie glisse vers la géométrie, et on a l'invention de formes mathématiques parfaites, théoriques et abstraites, mais tout d'un coup, la géométrie va rejaillir sur l'astronomie, parce que dès le moment où on a le point, la droite, la similitude des triangles, le calcul des angles, on peut très bien avoir une astronomie scientifique. Donc, l'Égypte donne quelque chose à la Grèce, l'astronomie donne quelque chose à la géométrie, qui en retour lui rend la représentation théorique abstraite du monde. Ici, sur cette petite histoire, on peut reconstituer ce qui probablement s'est passé. Astronomie, géométrie, géométrie, astronomie scientifique, Égypte, Grèce, et ainsi de suite. La plupart des récits racontent qu'il a mesuré les ombres en question à l'heure de midi. Et sur ce point, les récits sont tous d'accord. Ils parlent de midi. Pourquoi midi? Eh bien, cela me permet de répondre à votre question antérieure. Vous disiez, a-t-on inventé l'astronomie pour compter le temps, mesurer le temps? Midi, c'est bien du temps. Mais si vous regardez le gnomon, c'est-à-dire l'axe du cadran solaire avec l'ombre projetée par le soleil, vous vous apercevez que, bien entendu, l'ombre varie dans sa longueur selon les heures du jour, de l'aube au couchant, en passant par midi. Et si vous regardez l'ombre à midi, vous vous apercevez très vite que c'est la plus courte. Et puis, selon que le soleil est haut dans le ciel ou bas dans le ciel, c'est-à-dire selon que c'est l'extrême été ou l'extrême hiver, cette ombre la plus courte sera ou la plus courte possible ou la plus longue. Vous imaginez immédiatement que la plus courte, c'est le solstice d'été, et la plus longue, c'est le solstice d'hiver. C'est-à-dire les deux solstices, au milieu, les équinoxes, équinoxe de printemps et équinoxe d'automne, et un certain nombre d'autres mesures qui permettaient de transformer le lieu du cadran solaire en ce qu'on appellerait maintenant un observatoire. Et cela nous assure qu'il prenait les pyramides
pour un observatoire astronomique, c'est-à-dire pour un gnomon qui mesurait l'ombre, et que le cadran solaire n'est pas une montre, c'est pas une horloge, c'est pas une machine à compter du temps, mais c'est pour les Grecs une machine à observer le ciel, à se faire une représentation du ciel, c'est-à-dire un observatoire de science. Vers 600 avant Jésus-Christ, de l'autre côté des rives d'Abou Simbel, un grec, Ératosthène, découvre que la Terre est ronde. Comment fait-il ? Une des plus belles performances de l'astronomie grecque qui m'a laissé toujours dans l'admiration pour l'élégance de la démonstration. Et qu'est-ce qu'une démonstration élégante ? C'est une démonstration qui aboutit à un résultat grandiose avec des moyens presque nuls, vous voyez ? Il plante à la première cataracte du Nil, il y a une ville qui se trouve à peu près sur le tropique du Cancer. Et là, la ville s'appelle Sienne, le nom importe peu. Et là, il plante l'axe d'un cadran solaire. Puis, il plante un autre cadran solaire à Alexandrie. D'accord ? Et il attend midi, le jour du solstice d'été. C'est aussi simple que ça. Et alors, à midi, le cadran solaire ne fait pas d'ombre du tout. L'ombre est nulle. C'est-à-dire l'ombre la plus courte est si courte qu'elle est nulle. À ce moment-là, le deuxième bâton, lui, fait une ombre
c'est-à-dire une sorte d'angle. Pas d'ombre au solstice d'été sous le tropique du Cancer, il est midi, une ombre à Alexandrie. Donc la Terre est ronde, la courbure est vue, la courbure de la Terre est vue, et la courbure du méridien est à la fois mesurée et observée. Mais si vous suivez les deux bâtons perpendiculaires à la Terre, vous arrivez au centre du monde, au centre de la Terre. Et l'angle que fait le centre de la Terre est égal à l'angle que le Soleil vient de faire avec le gnomon ou le cadran solaire ou le bâton perpendiculaire à la Terre à midi, le jour du solstice. Et Ératosthène mesure cet angle. Et cet angle est égal au 50e au 50e d'un cercle, de la mesure du cercle. Et donc, si vous connaissez la distance entre Sienne et Alexandrie, vous la multipliez par 50 et vous avez la longueur du périmètre du cercle de la Terre. C'était une sorte d'étalon. La Terre devenait un étalon de longueur dans le système solaire. Et ensuite, on pouvait rattacher à cet étalon la distance de la Lune et la distance du Soleil. Alors, la distance de la Lune, c'est très simple. Lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre pendant une éclipse, non seulement on voit que la Terre est ronde, mais on voit aussi que le rayon de la Lune est à peu près un tiers du rayon de la Terre. Comme on a mesuré le rayon de la Terre, on connaît le rayon de la Lune. Comme on mesure le rayon apparent de la Lune, on en déduit la distance de la Lune. Et les Grecs savaient déjà que la Lune se trouve à une... connaissaient déjà la distance de la Lune à la Terre, qui est avec une précision comparable à celle de maintenant. Pour le Soleil, c'est un peu plus difficile. Alors là, on étudie le Soleil au moment où la Lune est à un quartier. Alors la Lune est exactement divisée en deux. Donc le triangle par l'ombre, par la séparation entre l'ombre et la lumière. Alors à ce moment-là, le triangle Terre, Lune, Soleil est un triangle rectangle à la Lune. Comme on connaît la distance de la Terre à la Lune, mesurée en unité de rayon terrestre, on en déduit instantanément la distance de la Terre au Soleil. Alors là, on se trompe beaucoup parce qu'on ne tenait pas compte de la réfraction, parce qu'on faisait l'état d'erreur, mais c'était quand même assez prodigieux du temps des Grecs d'avoir une estimation pas si mauvaise, après tout, de la distance du Soleil. Et on savait déjà, et ça c'est essentiel, on savait déjà que le Soleil était assez loin pour qu'il soit beaucoup plus gros que la Terre, car on pouvait mesurer évidemment son rayon dès l'instant qu'on avait sa distance, son vrai rayon, son rayon en valeur absolue. On en déterminait un trop petit, c'est vrai. Mais même trop petit, il était beaucoup plus grand que la Terre. Donc c'était déjà normal de penser que le Soleil, cet énorme machin, était au centre du système solaire et pas la Terre, qui était une petite boule. Les planètes sont des astres errants, selon l'étymologie grecque. Et le mouvement des planètes, quelquefois, est rétrograde. C'est-à-dire qu'une planète va et revient dans le ciel. Errance, oui.
même dans nos villes aujourd'hui polluées de lumière, nous savons bien que l'étoile du berger, comme on appelle à tort la planète Vénus, est tantôt étoile du soir et tantôt étoile du matin. Et nous savons bien que par les nuits d'été, quelquefois, nous voyons ces planètes très brillantes et d'autres fois, elles ne sont pas là. Donc l'irrégularité avait été, a fortiori, bien entendu, notée par ces observateurs de nuit claire et sans pollution qu'étaient les Grecs. Et dans toutes ces irrégularités, ils en avaient remarqué une, très précisément, qui est que, de soir en soir, une planète se déplace au milieu de ces signes fixes que sont les constellations. Mais ce mouvement de déplacement, qu'ils ont tenté de représenter par ces cercles, les épicycles sur lesquels les planètes étaient supposées se déplacer par rapport aux étoiles, ce mouvement de déplacement, parfois, a un comportement très étrange, puisque la planète Mars, reculant par exemple de jour en jour du début de la constellation vers une autre étoile de cette constellation, brusquement, fait demi-tour, revient pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis va repartir en décrivant son mouvement. Comment expliquer cette étrangeté? Je crois qu'on peut trouver une analogie dans le voyageur du train de banlieue. Il est dans son train, et soudain par la fenêtre, il voit arriver, très lentement, la tête de la motrice d'un autre train, qui le dépasse. Il en déduit que ce train va plus vite que le sien. Et puis, soudain, ce train ralentit, s'arrête par rapport à lui, et paraît reculer. Et là, tout d'un coup, on a un mouvement d'inquiétude. On se dit, tiens, il recule. On a oublié qu'on était en mouvement relatif. Et le train voisin paraît avoir fait marche arrière. Et puis, il s'arrête à nouveau, et il repart vers l'avant. Ça ressemble tout à fait au mouvement rétrograde des planètes. Il s'agit bien entendu, et nous le savons aujourd'hui, de mouvements relatifs. La planète est en mouvement, la Terre est en mouvement, l'une et l'autre autour du Soleil, et la combinaison de ces mouvements relatifs donne l'impression d'un arrêt. L'astronomie grecque parlait de stationnarité, de même que le train voisin s'arrête, apparemment, par rapport au nôtre, d'un retour en arrière, d'un nouvel arrêt, et d'un redémarrage vers l'avant. Il y a deux choses dans cette idée. Ils avaient compris qu'il s'agissait de mouvements relatifs. Et la trace de ce mouvement relatif, c'est ce modèle d'engrenage, en quelque sorte, de cercles sur lesquels les planètes sont fixées, lesquels cercles roulent sur d'autres cercles et donnent, par combinaison de mouvements relatifs, ce mouvement rétrograde de la planète. Une autre chose est de savoir où l'on met le centre de ces cercles. On peut s'interroger pour savoir si on prend comme repère du mouvement notre train, la voie de chemin de fer, ou au contraire l'autre train. Eh bien, Aristarque, lui, posait que le centre du repère fixe soit le Soleil, et que la Terre, comme les planètes, soit en mouvement par rapport à ce repère fixe. En quelque sorte, la voie de chemin de fer, c'était le Soleil. Beaucoup d'occasions, la musique accompagne dans la plus haute antiquité le progrès scientifique. On la voit arriver au moment où on comprend qu'il y a un rapport entre certaines procédures arithmétiques et
le calcul de la longueur d'une corde vibrante sur un instrument de musique. Donc il y a un rapport entre la musique et l'arithmétique. En astronomie, il y en a peut-être un aussi, et on le sait par Platon. Il met en scène le créateur de l'univers au début du Timée, qu'il appelle le Démiurge, et le Démiurge fait le monde en malaxant une certaine matière d'une certaine composition, et cette matière, il la courbe et il la découpe, et il la découpe en suivant des proportions. Et on s'aperçoit, quand on lit le texte de Platon, que les proportions le Démiurge observe dans la création du monde suivent de très près, et suivent même rigoureusement, les intervalles de la gamme, de la plus vieille gamme connue. Donc il y a une sorte d'accompagnement secret entre les intervalles musicaux et la construction de l'univers. Qu'est-ce que c'est qu'une boussole ? La Terre est un aimant. La Terre est un aimant parce qu'à l'intérieur de la Terre s'organise de la matière dont le résultat est de produire ce qu'on appelle un champ magnétique, ce que fait un aimant. C'est un très gros aimant, mais comme tous les aimants, ça a un pôle nord et un pôle sud. Un aimant attirera un autre aimant par son pôle nord, le repoussera par son pôle sud, la Terre ne fait rien d'autre. Je dis pôle nord et pôle sud. S'agit-il du même pôle que celui qu'indique l'étoile polaire ? S'agit-il de la même direction ? Eh bien, pas tout à fait. Il se trouve que le fait que la Terre soit un aimant est une conséquence de la rotation de la Terre. Il n'est donc pas très étonnant que le pôle nord magnétique, le pôle de l'aimant, comme on l'appelle, se trouve assez proche de l'axe de rotation de la Terre, le pôle nord géographique. Mais ces deux points ne sont pas confondus. Et de même pour les pôles sud. Autour d'un aimant se trouve un champ magnétique, c'est-à-dire en quelque sorte des lignes qui vont guider la force s'exerçant sur un autre aimant ou tout simplement sur une aiguille métallique. Ces lignes de force du champ magnétique de la Terre sont, en tout cas, on pourrait les graver sur la surface du sol. Elles sont attachées à la Terre. Quand la Terre tourne, le champ magnétique de cet aimant tourne avec la Terre. Et ces directions-là ne dépendent plus du ciel. Elles sont présentes sur le sol. La boussole n'est alors rien d'autre qu'une petite aiguille de métal. Et on prendra volontiers un métal lui-même magnétique, c'est-à-dire un petit aimant, car cela n'aura comme résultat que de rendre la boussole plus sensible encore, s'orientant plus facilement. Mais on peut faire une boussole avec une simple aiguille métallique. La boussole va alors suivre les directions de ce champ de force créé par l'aimant terrestre et indiquer le nord, mais non pas le nord géographique, le nord magnétique, sans se soucier désormais des directions indiquées par les étoiles.
Les Chinois découvrent la boussole. Qu'en font-ils de cette boussole par rapport à cet extraordinaire savoir astronomique qu'ils avaient compilé sur des tables pendant des millénaires? La question est ailleurs. Tout à l'heure, la question était avant. Nous avons un savoir grec dont nous avons hérité et nous nous posons la question de savoir que se passait-il avant. Vous vous rappelez? Maintenant, nous avons un savoir grec dont nous sommes les héritiers et nous posons la question que se passe-t-il ailleurs. Deux réponses. Premièrement, je crois que nous sommes souvent injustes. Parce que, étant donné le miracle grec, cette extraordinaire explosion d'un savoir théorique, nous avons toujours tendance à sous-évaluer le savoir qui le précède. Et de même, nous avons tendance à sous-évaluer le savoir qui est ailleurs. Avant, c'était moins bien, ailleurs, c'est moins bien. Et de fait, il y a du vrai dans ce jugement. Savoir que ni avant, à Babylone ou en Égypte, ni ailleurs en Chine, on a une représentation géométrique avec une abstraction des modèles, ce qu'on appelle un modèle théorique des phénomènes considérés. Mais nous sommes peut-être un peu victimes de ce que j'appellerais un effet de publicité. C'est-à-dire, comme nous avons une science qui a évolué de cette façon et dont nous sommes les héritiers, nous en avons aussi la philosophie. Et nous pensons par cette philosophie que cette science, c'est la raison et l'unique raison. Alors vous me posez la question de la boussole, qui est un peu la même question que celle de la poudre à canon. Ils ont eu des inventions qui n'ont pas fait l'histoire comme dans notre cas. Mais là, il y a une autre seconde réponse qui serait la suivante. Je crois que les Chinois ont une caractéristique qui n'est pas la nôtre, mais ça c'est une théorie qui m'est propre. Ils n'ont pas l'histoire. L'histoire est une catégorie occidentale. On a l'impression, dans la civilisation chinoise, d'un parfait équilibre, qu'ils sont arrivés au bout d'un certain nombre de routes ou de chemins, et qui sont dans une espèce d'espace absolument équilibré. Dans un espace équilibré, vous mettez une boussole, vous mettez quelque chose, ça reste là, ça ne bouge pas. Nous sommes, nous, dans un espace complètement déséquilibré. Nous sommes toujours en train de rechercher une autre chose, de la nouveauté, de l'imprévu, de la contingence. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, vous mettez dans un autre système le même phénomène, la boussole ou la poudre, et ça court le long de la plus grande pente de l'histoire. Ça se met à produire des événements. La différence qu'il y a, je crois, entre le monde extrême oriental et le nôtre, le leur est un monde en équilibre, le nôtre est un monde inquiet. Au sens que l'inquiétude est cette espèce d'écart qui fait qu'un objet posé là se met à courir comme une boule de neige. À la fin de la période Han, Qi Meng décrit le cosmos comme une nuit étendue.
Il n'y a pas de voûte céleste, ni de firmament céleste. Le bleu du ciel n'est qu'un effet d'optique. Les étoiles et les planètes sont des lumières produites par une substance inconnue, flottant dans un espace infini et vide. Un souffle dur, Kang Ki, les soutient et maintient le monde. Voilà, par certains côtés, étonnamment moderne dans sa représentation, l'une des trois antiques visions du monde qu'avaient les Chinois. Les Chinois s'expliquaient-ils l'univers? Le monde est un peu plus grand. 一个就是预告这个就是理发了，就是变算理发，为农业生产服务；一个是为这个astrology，就是为这个警告红地啊，去劝说红地做好事不做坏事。他这两个目的达到了，他就满足了。而不信希腊，希腊是柏拉图以后，他是分化主义部分人，他专门研究学问，他不参与这个政治，使得他们就是。 Les Chinois semblent avoir compilé leurs observations du ciel pendant des millénaires. Elle commence quand, l'astronomie chinoise ? Quelle relation mettaient les Chinois entre leur société, l'empereur et le ciel? Vous diriez que la société chinoise fonctionnait en cercle autour d'une personne, autour de l'empereur, un peu à l'image du ciel, comme les étoiles, comme le mouvement des étoiles autour de l'étoile fixe, de l'étoile polaire.
l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Il est dit dans les évangiles que les rois mages suivaient une étoile. Quelle était cette étoile et pourquoi la suivaient-ils, s'ils étaient tant soit peu astronomes? Vous savez que les rois mages étaient des Chaldéens, c'est-à-dire un pays qui était situé à l'est d'Israël. Et Israël était un grand peuple, non pas par le volume, mais par le rôle qu'il se donnait lui-même et que les peuples qui l'entouraient lui voyaient jouer dans l'histoire de ce bassin extraordinaire que sont les rives de la Méditerranée jusqu'à la Mésopotamie. Et ce qui arrivait à Israël n'était pas indifférent à ses voisins. Et on a donné beaucoup d'interprétations astronomiques contemporaines de cette étoile, depuis dire qu'il s'agit simplement d'une légende, d'une belle légende, jusqu'à essayer de l'identifier. Quel est le phénomène astronomique qui se serait produit quelques années avant l'an zéro, puisqu'on sait maintenant que la naissance du Christ est reportée quelques années avant l'an zéro par l'analyse de l'ensemble des documents historiques dont nous disposons. Alors, y a-t-il eu un objet céleste particulier, une supernova par exemple, ou une conjonction tout à fait inhabituelle de plusieurs planètes très brillantes dans une région si petite du ciel qu'on avait l'impression qu'une étoile nouvelle était apparue? Il y a eu des recherches, je ne suis pas sûr de pouvoir dire quelque chose de définitif là-dessus. Ce qui me paraît plus important, c'est de dire qu'il y avait effectivement, en Chaldée, héritage de Babylone, des hommes dont l'observation quotidienne du ciel était le métier. Cette observation l'utilisait-il en vue de prédictions astrologiques ou l'utilisait-il simplement pour connaître le ciel et le décrire? Peut-être n'est-ce même pas nécessaire de le préciser aujourd'hui. Ce qui est important, c'est à nouveau de voir que eux avaient ce que nous avons très largement perdu, c'est-à-dire une familiarité quotidienne avec ce dessin du ciel et que tout événement, tout changement dans ce dessin du ciel leur était immédiatement perceptible. On verra plus tard que la supernova de 1987 a été découverte dans un observatoire, mais par hasard. Personne ne regardait systématiquement le ciel dans l'observatoire du Chili, où la supernova, tout d'un coup, était perçue comme un phénomène de changement du ciel. Eh bien, ces bergers chaldéens, ces mages chaldéens, eux, regardaient le ciel tout le temps. Alors, qu'ils se soient mis en mouvement vers l'ouest, vers cette étoile, peut-être faut-il le comprendre comme une lecture astrologique du fait que l'événement se produisait dans une constellation qu'ils attribuaient à Israël et donc qu'ils aient fait un lien entre le phénomène astronomique nouveau et un événement se situant à l'ouest géographique pour eux, et qu'ils se soient donc mis en mouvement vers cet événement. Car on sait bien, dans la tradition d'Israël, que l'attente d'un événement, d'un homme, d'un Messie, faisait partie du récit quotidien du peuple.
zéro, la naissance du Christ, c'est quand? La question que vous posez, c'est la question de l'Antiquité. Pourquoi nous, occidentaux, à la différence des Chinois ou des Mayas, nous avons une Antiquité, c'est-à-dire une année zéro? Le point zéro est défini par ce moment extraordinaire de l'histoire où la mort a pivoté, où elle n'est plus devant l'humanité, elle est derrière l'humanité. Et c'est ça, probablement, que veut dire ère chrétienne. L'ère chrétienne, ça veut dire l'ère qui est repérée à la vie de Jésus-Christ. Or, il arrive dans la vie de Jésus-Christ un événement qui fonde le christianisme en tant que religion, c'est la résurrection du Christ. Ce qui veut dire que la mort est derrière lui. Et cet événement, que je dis dans un mot religieux, la résurrection du Christ, s'est traduit hors le religieux dans ce que nous appelons l'histoire. Jusqu'à un certain moment, l'histoire s'est précipitée, a été comptée presque négativement, parce que la mort individuelle et collective était devant les gens. Et je crois que désormais, la mort est derrière nous et c'est elle qui nous a produits. Nous ne savons pas vraiment ce que les Grecs pensaient en politique, en philosophie. Nous ne savons pas vraiment ce qu'ils pensaient en religion, parce que le message est coupé entre nous. Mais ce qu'ils savaient en mathématiques et en astronomie, nous en sommes sûrs, puisque nous pensons la même chose qu'eux. Et ça, c'est une expérience historique exceptionnelle et unique, de pouvoir savoir de façon rigoureuse ce que quelqu'un qui vivait il y a 2 millénaires et demi savait et comprenait. Et ça, nous ne savons pas dans les autres matières, mais en astronomie et mécanique, nous en sommes à peu près sûrs. Tandis que nous, Égyptiens, nous sommes les plus antiques peuples de la Terre et nous avons accumulé dans nos banques de données ou dans nos bibliothèques un extraordinaire savoir. Mais vous êtes tout le temps en train de le casser, en train de le révolutionner. Vous êtes comme ces pays qui sont atteints par des crues, des inondations ou des ravages de météores ou de feux du ciel. De sorte qu'une fois que la foudre ou que l'inondation est passée, le paysage n'est plus le même. Et c'est pour ça, vous, les Grecs, que vous êtes des scientifiques
et que nous, les Égyptiens, nous ne serons jamais que des vieux historiens. Vous voyez ? C'est-à-dire, j'ai toujours l'impression que la différence entre les scientifiques, les savants, et moi, c'est la différence entre les Grecs et les Égyptiens. Moi, je raconte des histoires. Je suis vieux, terriblement vieux. Tandis que les savants, quel que soit leur âge, ont toujours une science qui est née juste avant eux. Vous voyez, tout a été tout le temps révolutionné, de sorte qu'ils sortent d'une astrophysique qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, tandis que moi, je sors d'une astronomie qui a au minimum 6000 ans. Vous voyez la différence? Et ça, c'est vraiment une différence profonde qui existe entre un temps de l'histoire et le temps toujours coupé par la révolution scientifique. On parle toujours à propos des miracles grecs. Qu'est-ce que c'est que le miracle grec? Et pourquoi ce sont eux qui inventent le système du monde? Le miracle grec des mathématiques, c'est-à-dire le miracle grec de la théorie, c'est-à-dire les Grecs inventant une représentation abstraite du monde, inventent quelque chose qui dans l'histoire est un tel coup de tonnerre, une telle nouveauté, qu'on ne peut en aucune manière trouver l'équivalent antérieurement. Antérieurement aux Grecs, des tablettes d'observation, des tablettes de nombres, des résumés d'expérience. Imaginez immédiatement que la plus courte, c'est le solstice d'été, et la plus longue, c'est le solstice d'hiver. C'est-à-dire les deux solstices, au milieu les équinoxes, équinoxes de printemps et équinoxes d'automne, et un certain nombre d'autres mesures qui permettaient de transformer le lieu du cadran solaire en ce qu'on appellerait maintenant un observatoire. Et cela nous assure qu'il prenait les pyramides pour un observatoire astronomique, c'est-à-dire pour un gnomon qui mesurait l'ombre, et que le cadran solaire n'est pas une montre, c'est pas une horloge, c'est pas une machine à compter du temps, mais c'est pour les Grecs une machine à observer le ciel. À se faire une représentation du ciel, c'est-à-dire un observatoire de science.
Qu'allaient-ils faire, les Grecs, en Égypte, où il n'y a pas de traces très précises de savoir astronomique? Pour bien préciser, le rapport entre les Grecs et les Égyptiens, qui est un peu aussi obscur que le rapport entre les Juifs et les Égyptiens, vous savez, aller en Égypte, la captivité en Égypte, se libérer de l'Égypte, vous voyez, comme si tous les peuples de l'Antiquité avaient été fascinés par l'Égypte comme leur origine. Et Platon relate dans le Timée un dialogue entre un savant grec et un vieux prêtre égyptien. Et le vieux prêtre égyptien lui dit « Vous autres grecs, vous serez toujours des enfants. Un grec n'est jamais vieux. Vous n'avez pas de science blanchie par le temps. On n'a jamais le calcul théorique, on n'a jamais le dessin avec le point, la droite, le cercle, le triangle, etc., l'angle. » Qui permettent des mesures rigoureuses et précises, on n'a jamais ça. La question « pourquoi ?» est vraiment la question la plus chère du monde. C'est-à-dire, si nous savions pourquoi les Grecs ont inventé cela, nous, les philosophes, on aurait la solution à la question « comment l'homme a-t-il inventé l'abstraction ?» Vous voyez, on aurait la solution à un des problèmes les plus profonds et les plus tenaces de la philosophie. Hélas, nous n'avons pas. Nous n'avons pas de réponse. Il y en a, mais locale, précise, extraordinairement difficile à développer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avant les Grecs, il y avait une arithmétique, ça nous en sommes certains, et des procédés de calcul de type algorithme, c'est-à-dire des petits morceaux de calcul bien réussis qui partent de prémices bien claires et qui aboutissent à des résultats prévus et décidés. On appelle ça des algorithmes. Et la pensée qui précède les Grecs est certainement une pensée algorithmique, très abstraite, puisque nous la retrouvons beaucoup plus tard et même de façon contemporaine dans les ordinateurs, par exemple. Et le saut qui fait passer de l'Égypte en Grèce, c'est le saut algorithme-géométrie. Le saut arithmétique-géométrie, le saut compte-espace. L'idée qu'il y a un espace abstrait sur lequel on peut dessiner des variétés comme la ligne, le point, l'angle, etc., ça leur appartient et ça leur appartient à tout jamais. Comment l'ont-ils inventé? Alors, j'ai dit que nous avions des hypothèses. En voici une. On raconte par exemple, et nous avons de cela mille et un récits, que Thalès, fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très ancien, se promène au pied des pyramides, c'est-à-dire en Égypte, lieu où il n'y a pas de théorie, et voit sous le soleil à midi la longueur des ombres portées par les trois pyramides, les mesures, les rapporte les unes aux autres et les rapporte à l'ombre de son propre corps. Et dans ces rapports de longueur d'ombre et de hauteur de la pyramide, il déduit ou il induit ou il invente le fameux théorème de la similitude des triangles dont nous sommes à peu près sûrs que c'est le tout premier théorème géométrique. Alors, ça s'est passé en Égypte. Et c'est un grec qui l'invente. Et l'astronomie, tout d'un coup, se transforme en géométrie. Il n'est plus question de soleil, il n'est plus question de la hauteur de la pyramide, il n'est plus question de l'ombre, il n'est plus question que de la similitude de triangles abstraits. Alors, tout d'un coup, l'astronomie glisse vers la géométrie et on a l'invention de formes mathématiques parfaites, théoriques et abstraites. Mais tout d'un coup, la géométrie va rejaillir sur l'astronomie. Parce que dès le moment où on a le point, la droite, la similitude des triangles, le calcul des angles, on peut très bien avoir une astronomie scientifique. Donc, l'Égypte donne quelque chose à la Grèce, l'astronomie donne quelque chose à la géométrie, qui en retour lui rend la représentation théorique abstraite du monde. Ici, sur cette petite histoire, on peut reconstituer ce qui probablement s'est passé. Astronomie, géométrie, géométrie, astronomie scientifique. Égypte, Grèce, et ainsi de suite.
La plupart des récits racontent qu'il a mesuré les ombres en question à l'heure de midi. Et sur ce point, les récits sont tous d'accord. Ils parlent de midi. Pourquoi midi ? Eh bien, cela me permet de répondre à votre question antérieure. Vous disiez, a-t-on inventé l'astronomie pour compter le temps, mesurer le temps ? Midi, c'est bien du temps. Mais si vous regardez le gnomon, c'est-à-dire l'axe du cadran solaire avec l'ombre projetée par le soleil, vous vous apercevez que, bien entendu, l'ombre varie dans sa longueur selon les heures du jour, de l'aube au couchant, en passant par midi. Et si vous regardez l'ombre à midi, vous vous apercevez très vite que c'est la plus courte. Et puis, selon que le soleil est haut dans le ciel ou bas dans le ciel, c'est-à-dire selon que c'est l'extrême été ou l'extrême hiver, cette ombre la plus courte sera ou la plus courte possible ou la plus longue. Moi, je sors d'une astronomie qui a au minimum 6000 ans. Vous voyez la différence ? Et ça, c'est vraiment une différence profonde qui existe entre un temps de l'histoire et le temps toujours coupé par la révolution scientifique. On parle toujours à propos des miracles grecs. Qu'est-ce que c'est que le miracle grec ? Et pourquoi ce sont eux qui inventent le système du monde ? Le miracle grec des mathématiques, c'est-à-dire le miracle grec de la théorie, c'est-à-dire les Grecs inventant une représentation abstraite du monde, inventent quelque chose qui dans l'histoire est un tel coup de tonnerre, une telle nouveauté, qu'on ne peut en aucune manière trouver l'équivalent antérieurement. Antérieurement aux Grecs, des tablettes d'observation, des tablettes de nombres, des résumés d'expérience, on n'a jamais le calcul théorique, on n'a jamais le dessin avec le point, la droite, le cercle, le triangle, etc. L'angle rapporte à l'ombre de son propre corps et dans ses rapports de longueur d'ombre et de hauteur de la pyramide, il déduit, ou il induit, ou il invente le fameux théorème de la similitude des triangles, dont nous sommes à peu près sûrs que c'est le tout premier théorème géométrique. Alors, ça s'est passé en Égypte, et c'est un Grec qui l'invente. Et l'astronomie, tout d'un coup, se transforme en géométrie. Il n'est plus question de soleil, il n'est plus question de la hauteur de la pyramide, il n'est plus question de l'ombre, il n'est plus question que de la similitude de triangles abstraits. Alors, tout d'un coup, l'astronomie glisse vers la géométrie et on a l'invention de formes mathématiques parfaites, théoriques et abstraites. Mais tout d'un coup, la géométrie va rejaillir sur l'astronomie parce que dès le moment où on a le point, la droite, la similitude des triangles, le calcul des angles, on peut très bien avoir une astronomie scientifique. Donc, l'Égypte donne quelque chose à la Grèce. L'astronomie donne quelque chose à la géométrie qui, en retour, lui rend la représentation théorique abstraite du monde. Ici, sur cette petite histoire, on peut reconstituer ce qui probablement s'est passé. Astronomie, géométrie, géométrie, astronomie scientifique, Égypte, Grèce, et ainsi de suite. Thank you.
qui permettent des mesures rigoureuses et précises, on n'a jamais ça. La question pourquoi est vraiment la question la plus chère du monde. C'est-à-dire, si nous savions pourquoi les Grecs ont inventé cela, nous, les philosophes, on aurait la solution à la question comment l'homme a-t-il inventé l'abstraction. Vous voyez, on aurait la solution à un des problèmes les plus profonds et les plus tenaces de la philosophie. Hélas, nous n'avons pas de réponse. Il y en a, mais locale, précise, extraordinairement difficile à développer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'avant les Grecs, il y avait une arithmétique, ça nous en sommes certains, et des procédés de calcul de type algorithme, c'est-à-dire des petits morceaux de calcul bien réussis qui partent de prémices bien claires et qui aboutissent à des résultats prévus et décidés. On appelle ça des algorithmes. Et la pensée qui précède les Grecs est certainement une pensée algorithmique. Très abstraite, puisque nous la retrouvons beaucoup plus tard et même de façon contemporaine dans les ordinateurs, par exemple. Et le saut qui fait passer de l'Égypte en Grèce, c'est le saut algorithme-géométrie. Le saut arithmétique-géométrie, le saut compte-espace. L'idée qu'il y a un espace abstrait sur lequel on peut dessiner des variétés comme la ligne, le point, l'angle, etc., ça leur appartient et ça leur appartient à tout jamais. Comment l'ont-ils inventé ? Alors, j'ai dit que nous avions des hypothèses. En voici une. On raconte par exemple, et nous avons de cela mille et un récits, que Thalès, fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire très ancien, se promène au pied des pyramides, c'est-à-dire en Égypte, lieu où il n'y a pas de théorie, et voit sous le soleil à midi la longueur des ombres portées par les trois pyramides, les mesures, les rapporte les unes aux autres et les... Qu'allaient-ils faire, les Grecs, en Égypte, où il n'y a pas de traces très précises de savoir astronomique ? Pour bien préciser le rapport entre les Grecs et les Égyptiens, qui est un peu aussi obscur que le rapport entre les Juifs et les Égyptiens, vous savez, aller en Égypte, la captivité en Égypte, se libérer de l'Égypte, vous voyez, comme si tous les peuples de l'Antiquité avaient été fascinés par l'Égypte comme leur origine. Et Platon relate dans le Timée un dialogue entre un savant grec et un vieux prêtre égyptien. Et le vieux prêtre égyptien lui dit « Vous autres grecs, vous serez toujours des enfants. Un grec n'est jamais vieux. Vous n'avez pas de science blanchie par le temps.
tandis que nous, Égyptiens, nous sommes les plus antiques peuples de la Terre et nous avons accumulé dans nos banques de données ou dans nos bibliothèques un extraordinaire savoir. Mais vous, vous êtes tout le temps en train de le casser, en train de le révolutionner. Vous êtes comme ces pays qui sont atteints par des crues, des inondations ou des ravages de météores ou de feux du ciel. De sorte qu'une fois que la foudre ou que l'inondation est passée, le paysage n'est plus le même. Et c'est pour ça, vous les Grecs, que vous êtes des scientifiques et que nous les Égyptiens, nous ne serons jamais que des vieux historiens. Vous voyez ? C'est-à-dire, j'ai toujours l'impression que la différence entre les scientifiques, les savants, et moi, c'est la différence entre les Grecs et les Égyptiens. Moi, je raconte des histoires. Je suis vieux, terriblement vieux. Tandis que les savants, quel que soit leur âge, ont toujours une science qui est née juste avant eux. Vous voyez, tout a été tout le temps révolutionné, de sorte qu'ils sortent d'une astrophysique qui a 20 ans, qui a 30 ans, qui a 40 ans, tandis que